la nouvelle série avec Jason Momoa se dévoile. Fan de Jason Momoa, alias Aquaman, préparez-vous à voir votre idole sur le petit écran. L'acteur actuellement très en vogue au cinéma sera en effet au générique d'une nouvelle série nommée Si, qui sera projetée sur Apple TV+. Découvrez la bande-annonce. Une bande-annonce qui donne le ton de la série Si. La bande-annonce dévoilée par la plateforme de streaming permet de savoir ce qui nous attend dans Si. L'histoire se déroule dans une ère où l'humanité a perdu la capacité de voir à cause d'un virus et a eu à s'adapter pour survivre. La vidéo laisse entrevoir une série fantastique où les personnages vivent dans un monde post-apocalyptique où renaît un espoir avec la venue au monde de deux enfants. Jason Momoa, la star de cette production signée Apple TV+. Dans la nouvelle série Si, qui se déroule 600 ans dans le futur, c'est Jason Momoa qui joue le rôle titre, soit celui de Baba Voss. La femme de ce personnage donne en effet naissance à des jumeaux qui ont la capacité de voir. Alors que certains considèrent cela comme un miracle, d'autres caractérisent ce don comme une menace ou encore de la sorcellerie. Quand une terrible reine décide de s'en prendre aux deux bébés, Baba Voss devra tout faire pour les protéger. Les concepteurs de Peaky Blinders et de Hunger Games derrière Si. La série Si est produite par deux références dans le monde de la télévision. Il s'agit en effet de Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, et de Francis Lawrence, à qui l'on doit Hunger Games. Au casting de cette série de 10 épisodes, on retrouvera également l'actrice Alfre Woodard, qui jouait le rôle de Betty Applewhite dans Desperate Housewives. D'autres productions aussi attendues sur la plateforme. Ceux qui sont à la recherche de nouvelles séries à suivre devraient être servis avec Apple TV+. En plus de Si, ils pourront aussi découvrir The Morning Show avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. La série Dickinson est également attendue sur la plateforme de streaming.